213 Rock with Eric Melodica on Vinyl Times Classic Rock Radio. Hell yeah, c'est la Web Rock Station, Vinnie Times, le Classic Rock Radio, Silvera, le No Air, notamment, l'album s'appellera, il est sorti il y a quelques jours, Edge of the World, juste pour vous. Donc, je vous rappelle que mercredi soir, chanteur du groupe sera en direct, notamment à 20h40 pour nous présenter cet album et ainsi que l'actualité du groupe, puisqu'ils ont fait un show streaming qui était juste génial, quoi. Enfin, show streaming avec quelques personnes dans la salle comme ça, mais c'était vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Allez, en direct avec nous, Julien du groupe Amon Seti ce soir, qui est là pour nous présenter un album qui sortira le 12 décembre. Donc, scène grenobloise ce soir en direct. Je vous ai dit, ce soir, ça va être j'ai vraiment flashé sur ce single qui s'appelle The Blood Red Temple. On va en savoir plus tout de suite. Bonsoir, Julien. Salut, Arag. Comment vas-tu? Ça va? Eh ben, écoute, tout va bien. Très fier de vous présenter ce titre, The Blood Red Temple. Qui est issu de, comme tu l'as dit, hein, du nouvel album qui sort le 12 décembre. On est toujours dans la même lignée en fait d'un concept album sur l'Égypte ancienne. C'est plus un préquel de l'histoire d'Amon Seti. Sur les deux albums précédents, on compte l'histoire d'Amon Seti. Là, on revient un petit peu en arrière dans le concept album et comme ça, le triptyque sera vraiment complet, quoi. Mais justement, cet album, il s'appellera Part Zero, The Queen with Golden Hair. Part Zero. Ça, c'est original. En général, c'est Part One, ça commence. Exactement, mais j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la dynastie Zéro qui a été découverte en Égypte il y a quelques années déjà, comme quoi il y a eu 31 dynasties, et on a découvert en fait des tombeaux d'une dynastie qui aurait existé avant, la dynastie Zéro, on l'a appelée les Rois Scorpions, et j'ai voulu faire un petit clin d'œil encore historique par rapport à ça, quoi. Alors justement, ce clin d'œil historique est quand même issu de tes études, parce que tu as poussé tes études en égyptologie, donc ça il faut le préciser, c'est important. Ouais, voilà, donc c'est vrai que j'ai une maîtrise d'histoire ancienne. J'étais un petit peu plus orienté sur l'histoire romaine, mais l'Égypte a toujours été vraiment ma passion depuis des années, et j'ai bien potassé là-dedans, et du coup j'ai toujours voulu combiner ma passion sur l'histoire et notamment l'Égypte et la musique, et d'écrire un concept par rapport à ça. J'ai trouvé ça original et génial en même temps, quoi. Justement, cette intrigue à l'intérieur de cet album sur la 7e dynastie des pharaons d'Égypte, à quoi faut-il s'attendre, notamment, parce que je suis persuadé qu'il y a une intrigue, il y a une histoire là-dedans, quoi. T'as dû concocter ça, t'as dû beaucoup travailler en termes de tout le scénario. Carrément. J'ai créé un petit univers en fait, hein. Donc à partir de 2009. Alors le groupe a été créé en 2007, hein, et j'ai tout écrit ce concept par rapport à cette 7e dynastie égyptienne, parce que il y a très peu de traces historiques sur cette 7e dynastie. Alors les historiens pensent qu'il y a eu un cataclysme peut-être lié au climat ou quelque chose comme ça, mais voilà, il y a vraiment très très peu de traces historiques sur la 7e et 8e dynastie, et je me suis dit pourquoi pas en toute prétention écrire l'histoire de la 7e dynastie, et voilà, j'ai créé toute une histoire avec des personnages sur Part 1, Part 2 et le Part 0. Je me raccroche à une pseudo-légende de la 6e dynastie et de la fin de l'ancien empire, donc je raccroche un petit peu de l'histoire, pseudo-histoire, légende, on n'est pas sûr à 100%, et je la raccroche à mon histoire, quoi.
Ouais, d'ailleurs la pochette elle est somptueuse, elle est très jolie la somptueuse. Ah j'aime beaucoup, hein. Les détails, Ah bah ouais, je suis très fier. ouais elle est très jolie, on y voit des personnages, c'est bien cintré. Alors, je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais moi j'y vois, alors j'y vois toujours un rapport avec les travaux de Chiranta Diop, qui est un spécialiste, qui est un donc un anthropologue sénégalais, qui a toujours dit que l'égyptologie était l'histoire du peuple noir. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté ce qu'il a fait, et après chacun a son interprétation bien évidemment, mais j'y vois encore un rapport. Enfin, je sais pas. Je vois un truc, quoi. Notamment avec l'aigle, Ankh. Tous les symboles de l'égyptologie sont sur la pochette. Ouais. Ouais, c'est tout ce qui nous fascine est sur la pochette. Voilà. Les hiéroglyphes, etc. La beauté, tout y est, quoi. Tout y est. Les couleurs, etc., quoi. Très, très belle pochette. Ouais, et puis vous le découvrirez quand vraiment il y aura l'album complet, mais tout a un sens. Donc, c'est-à-dire que quand il y aura les 14 titres de l'album, voilà, le tourbillon en bas de la pochette, il a un sens. Enfin, il y a plein de signes cachés, et bien évidemment, comme tu l'as noté, il y a plein de symboles qui rappellent forcément l'Égypte, hein. Donc, on est allé à fond là-dedans, hein. C'est Donc, ça. C'est avec celui qui a, le ouais. mystère et le mysticisme. C'est ce qui entoure, hein, c'est ça, quoi. Et la pochette, c'est ça. Exactement. C'est ça. La pochette, on est dedans, on y voit carrément un peu une tempête du désert derrière. On y voit tous les codes y sont, quoi. C'est assez beau. C'est très très beau, quoi. C'est très bien Exactement, imaginé. exactement. Qui a réalisé cette pochette, d'ailleurs? Alors c'est en gros ça a été très compliqué. C'est-à-dire que c'est l'illustrateur J.P. Fournier qui a réalisé cette pochette. Oui, d'accord. OK. Donc tu comprends pourquoi Ouais. c'est un petit peu compliqué. OK. Si tu veux, on a failli pas récupérer son travail parce que il y a eu l'histoire que Ouais. tu sais par rapport à cet illustrateur que je connais très bien, hein, qui est un ami à moi. Donc c'est vrai que ça a été très dur, très compliqué, mais du coup on a pu récupérer une grosse partie de son travail D'accord. et c'est une autre infographiste avec qui on devait travailler d'ailleurs à la base avec JP Fournier. On devait faire un travail à trois par rapport à ça, et finalement c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle a récupéré tout son travail via une technique qui s'appelle le upscaling, et du coup on a pu finaliser cette pochette. Et elle a terminé le livret de l'album, etc., etc. Donc, on est très content d'avoir pu récupérer ce travail-là, parce que il est tout simplement phénoménal et il a vraiment compris totalement ce que je voulais sur cet album. Et il a compris vraiment, vraiment l'histoire, quoi. Et puis, il était à fond là-dedans, Ouais, effectivement. c'est votre imagination, hein, c'est l'imagination du groupe notamment, aussi par tes soins, parce que t'es vraiment un spécialiste dans ce domaine, mais c'est très beau, quoi. C'est franchement bravo, elle est vraiment réussie cette pochette, effectivement. On va la mettre, hein, tout à l'heure sur Ouais, merci. sur nos réseaux sociaux, elle est vraiment très jolie, quoi. Alors parlons un peu du groupe. Vous avez en 2010, je crois que vous avez fait des dates avec Darkmoor. Ensuite, vous avez, je me souviens très bien avec Mirat notamment, on a croisé nos Bien chemins. sûr. Ouais, Ouais, c'était un carrément, c'était sympa. C'était cool, je me souviens d'un fabuleux concert à Ouais. Grenoble pour deux choses. D'abord pour Excellent souvenir. très 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 grand souvenir, très gros show notamment, je m'en souviens très très bien. Et en même temps aussi pour les pizzas qui étaient fournies, je crois que c'était la dernière fois que je Ah mangeais les ben ça. pizzas. C'était la dernière fois, je te jure que c'est vrai. Mais elles étaient excellentes, ça je te le confirme. J'en étais sûr que t'allais parler des pizzas. Ensuite, en 2014, vous avez participé au PPM Fest aux côtés des Saxons, Therion, Vanden Plas, Fates Warning, comme ça, c'était bien. Vous avez Ouais, ensuite tout à fait. participé avec Vanden Plas à la tournée française. Il y a eu aussi une deuxième en 2016. Ensuite, une tournée avec DJM comme ça, ouais. Et puis vous avez joué au Very Prog Festival aux côtés de Sons of Bolo, de Mike Portnoy, Caligula, Horse, etc. Ouais, vous avez quand même roulé un peu votre bosse, quoi. Ça va, quoi. Ça avance, quoi. Vous avez tenu la route, quoi. On est super content. C'est vrai que à partir de fin 2012, on a vraiment changé d'univers, hein. C'est-à-dire qu'on a laissé vraiment les cafés-concerts, les petits concerts, pour vraiment choper des bonnes dates. Et puis on a su s'immiscer dans des tournées qui étaient relativement sympas.
Et puis le groupe a tout simplement pris de l'ampleur, hein. Donc il a pris de l'ampleur à partir du deuxième album, Part 2, The Final Struggle. Et vraiment le point de départ vraiment véritable, c'était bah, la tournée avec Mirat, et puis le PPM aussi qui a suivi, où vraiment c'était des excellents souvenirs, et ça nous a apporté aussi d'autres concerts intéressants, notamment bah, Vandenplace. On a fait 9 concerts en tout avec Vandenplace sur les 2 tournées différentes. Et vraiment, c'est super. Également, DGM, c'est notre dernière tournée, on va dire. Après, on a fait juste quelques dates, mais on s'est vraiment ensuite concentré sur l'album. Et puis voilà. Et c'est vrai que quand la crise sera passée, on a hâte de reprendre la route et refaire des concerts de cet acabit, quoi. Justement, on va y venir au concert pour 2021, pour vos plannings, etc. Est-ce que tu peux nous présenter le line-up du groupe, s'il te plaît? Enfin, qui a participé vraiment à cet album, quoi. Très important. Alors, il y a toujours mon fidèle acolyte Olivier Bilouin, donc qui est à la base du groupe, le guitariste, donc qui est avec moi depuis 2007. Hein, donc c'est vrai que on se quitte plus. Et sinon, il y a le batteur, il s'appelle Sébastien Perra. C'est un batteur qui officie également dans un groupe qui s'appelle Jesse Jess, donc avec notamment Jesse Jess, c'est un ancien de Nightmare. Donc voilà, il a pas mal de groupes Ouais, j'ai vu le clip, actuellement. une très belle frappe, hein, il a. Hein. Tout de suite, ça se voit direct, il y a une très belle frappe sur le clip hein, que vous avez proposé là. Ouais, Il joue bien, il ouais. est excellent dans son domaine, C'est très propre, et ouais, c'est puis très voilà, propre. il joue avec Shinra, il joue avec pas mal de groupes, donc voilà. On a une petite touche féminine avec Laetitia Bertrand qui officie également dans un groupe qui s'appelle Talvian Kelly, et puis un autre Farnal. Donc voilà, elle a la particularité de jouer sur fretless, donc ça donne toujours le côté un petit peu oriental, et je trouve qu'elle apporte vraiment en fait dans le projet Amon City. C'est vraiment vraiment super. Il y a également Adrien Gouzy qui est au clavier, donc qui a bien composé une bonne partie de l'album. Et du coup, il nous suit depuis 2018. Assez jeune, hein, il a 21 ans, mais il est plein de ressources, et c'est vraiment bien composé. Enfin, vraiment, les 5 membres ont tous apporté leur pierre à l'édifice pour donner cet album enfin, on est super fiers, quoi. Ouais, tu peux le Donc dire, voilà. hein. La pochette est belle, le single qu'on va s'écouter juste après l'interview est vraiment très bon. Ça c'était hier, hier matin, je l'ai écouté. J'ai dit waouh, j'ai dit là, ils ont mis le paquet, quoi. D'ailleurs, en parlant du single, la production, qui s'en est occupée? Alors la production, c'est notre ancien claviériste qui s'appelle Elliot Tordo, qui a quitté le groupe ben, pour les raisons suivantes, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment monter son studio d'enregistrement, et finalement il n'avait pas le temps de rester dans Amon City. Mais vraiment, c'est lui qui a composé, qui a même aidé à composer certains titres, dont le single The Blood Red Temple. Donc voilà, il fallait vraiment qu'il reste dans la sphère du groupe, et donc il était aux manettes de la production. Je conseille vivement tous les groupes qui veulent enregistrer un album ou une démo de passer par Elliot, parce qu'il fait du boulot mais phénoménal. C'est le Sunzu Records à Grenoble, et il a bossé notamment sur le dernier Nightmare. D'accord. Donc, qui est très très bon. Ouais, qui est très bien, ouais. Et puis voilà, donc c'est lui qui nous a fait les orchestrations qu'on peut entendre, enfin que les gens vont pouvoir entendre sur The Blood Red Temple, et qui sont tout au long de l'album. Donc vraiment, le côté orchestral a été vraiment beaucoup plus poussé sur cet album. Et ça apporte énormément, énormément, énormément. Il y a, pour ainsi dire, il y a 220 pistes différentes sur tout l'album d'instruments.
Énorme. Donc c'est énorme. Ouais. Et pour mixer, masteriser ça, ça n'a pas été simple, mais il l'a fait de manière vraiment incroyable. Donc chapeau à lui et c'est clair que on retournera forcément avec lui pour les prochains opus, quoi. Ok, en attendant que ce fameux virus passe, toute cette histoire de dingue passe, vous avez prévu quoi sur ces 2 prochaines années? J'espère que vous allez pouvoir tourner, vous allez faire des concerts, vous êtes certainement, on espère quoi. Bah c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que bien évidemment on a des projets qui sont en attente et toujours qui sont repoussés, repoussés. Mais effectivement, hein, quand j'étais organisateur de concerts, j'ai pu avoir quand même un certain carnet d'adresses que je ressors à chaque opus pour essayer de tourner, de monter des projets intéressants. Et oui, effectivement, voilà, on parle de projets avec des groupes avec qui on a déjà tourné. On parle avec Vandenplace, avec Blaze Bayley, on s'entend bien avec Blaze Bayley. Je l'ai fait venir pas mal de fois, Ah, il est cool, ouais. ouais, en tant qu'organisateur de concerts sur Grenoble. Donc voilà, donc on parle de pas mal de projets et puis bien évidemment les festivals. Donc, on a un festival en Charente-Maritime qui a été reporté d'un an et j'espère qu'il se fera en août 2021. Voilà, on doit jouer avec Manigance, Titan et Killers notamment. Ben, ça sera bien, Donc, en tout cas. Ben, j'espère que ça aura lieu, en tout cas. Julien, s'il te bah, plaît, carrément. un mot pour les auditeurs. Eh ben, soyez patients, mais en décembre, l'album. Ça va être une tuerie. Donc le titre The Blood Red Temple, j'espère que vous allez l'apprécier. Mais tous les morceaux sont différents, mais vraiment sont de très bonne facture. Donc je vous demande de patienter et vous allez voir, ça va déchirer. Hey, merci encore à toi pour cette interview ce soir. En tout cas, merci encore. Merci à toi, Rack. Merci au groupe. Julien Amoncetis, le chanteur, était avec nous ce soir en direct sur la Web Rock Station Vinnie Times, le Classic Rock Radio. L'album Part Zero, The Queen with Golden Hair, verra le jour le 12 décembre prochain. Voici le single The Blood Red Temple sur Vinnie Times, le Classic Rock Radio.
Hell yeah, c'est la Web Rock Station, Vinnie Times, le Classic Rock Radio. On remercie encore une fois Julien, le chanteur du groupe Amon Sethis pour, et le single The Blood Red Temple, qui sera sur l'album Part Zero, The Queen with Golden Hair, qui verra le jour le 12 décembre prochain. Continuons musique avec Mirad, Marcel sur le 113 Rock, l'album Shehili, 213 Rock.